Bolloré, c'est qui, non? C'est les Français. C'est le gouvernement français qui les monte pour venir piller les Africains. Je prends l'exemple sur sa bananerie. Il paye un employé de bananerie à combien? À 1000 francs la journée. Et quand tu manques un jour, on te coupe 3000. Et il s'en va faire de fortune là-bas chez eux. La Pirou avait raison de couper toutes ces bananes. Il y a encore des mercenaires derrière. Le port, il prend tout. Que vont faire les Camerounais? Quand vous avez certains chefs d'État qui acceptent tout, ce n'est pas tout le monde qui peut accepter. Je n'ai pas peur que vous me filmez. Je dis ce qui ressort de mon corps. Quand vous voyez un monsieur comme ça qui vient s'installer en Afrique, le bois c'est lui, les bananes c'est lui, le porc c'est lui, machin truc. Que font les Camerounais? Voient les licenciés sur les motos. Voient les licenciés sur les motos. Qu'est-ce que Bolloré représente au Cameroun? C'est un monsieur que je ne lui ai jamais rencontré face à face. J'aurais fini avec lui, on me finit, et puis mes frères restent vivre. C'est moi, Momo, qui dis ça. Ça, c'est terrible. Hein? Vous me demandez ce que représente Bolloré au Cameroun. Hein? C'est les fesses de sa maman qu'il est venu ici faire. Il amasse tout cet argent-là, c'est pour les Français. Et vous ignorez que c'est les Français qui montent les Boko Haram en brousse. C'est les Français qui les donnent les munitions. C'est les Français qui veulent que déstabiliser le Cameroun. Vous me demandez ce que c'est que Bolloré? Montrez-moi Bolloré là, s'il vit encore aujourd'hui. C'est un gros bandit. Vous parlez quoi de Bolloré? Je dis, je répète. Vous avez vu comment la Pirou a eu pitié de ses frères. Il a vu comment ces gars souffrent dans les bananeries, sans bottes, sans machin, truc, rien que les machettes. Ils dorment dans quoi? Pour avoir un salaire. Ils ont tué qui? Pour mériter ce salaire-là. Pour ces bananeries qui montent. Moi, je suis en Europe. Tu sais, ceux qui dînent chez eux à midi et font le dessert avec les bananes, ce sont des riches. Je dis, 5 doigts de banane coûtent 1 euro en France et tu ne trouves même pas. Vous me parlez de Bolloré aujourd'hui. Bolloré, le port c'est lui, machin truc c'est lui. On attend, non? Ils attendent qu'ils continuent à tuer mes frères comme ils montaient les Boko Haram là. Je veux voir si on ne va pas incendier ces affaires ici un jour. C'est moi qui dis. Je n'ai pas peur de quelque chose ici dehors. Hein? On accuse les chefs d'État, machin, tout. Ce sont les pressions qu'ils donnent aux chefs d'État. Je dis que tous même les machins que vous voyez, les anglophones faire, machin, toutes ces crises-là, c'est monté par eux. Parce qu'ils vont faire comme ils ont fait en Libye. Dès que les anglophones là tombent aussi bêtes comme ça, après ils vont venir dire qu'ils s'installent là-bas pour les aider. Ce serait pour piller le pétrole.